Côte, côté, tu ne sais pas comment écrire ces trois mots, tu les confonds. Eh bien, je te donne des astuces pour ne plus faire la faute. On va commencer par le côté. Le côté a un accent circonflexe et un accent aigu. Le côté, c'est la partie latérale d'un endroit ou d'un objet. Par exemple, le restaurant se trouve de quel côté? Le côté gauche ou le côté droit? Ou encore, montre-moi le côté gauche du carré. Ensuite, on a la côte. Le O est plus long. On utilise la côte avec un accent circonflexe pour exprimer la partie d'une colline, colline qui monte ou qui descend. Ouf, quelle côte! Ça va être difficile à monter. Par exemple, si on est à vélo. J'imagine tu connais également la Côte d'Azur. Cet été, je vais passer mes vacances à la Côte d'Azur. Ou encore, je veux visiter la côte ouest des États-Unis. Ici, il s'agit de la partie d'un pays ou d'un continent qui se situe à côté de la mer. Et enfin, ouf, j'ai mal aux côtes. Alors, les côtes, c'est quoi? C'est un des os qui protège les poumons. Et enfin, le dernier, le plus compliqué, la côte. Le son O est beaucoup plus court. C'est utilisé pour exprimer un classement ou une notation. Par exemple, quelle est la cote de cette entreprise en bourse? Avoir la cote, c'est être populaire. Tu as peut-être déjà entendu cette expression. On pourrait dire, par exemple, Jessica a la cote sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, elle est très populaire sur les réseaux sociaux.